seulement sur en match, hein, sur les Warzone, si t'arrives, parce que la mode Warzone, donc là tu vois, c'est un petit peu mise en scène. On est lâché sur une très grosse map, et quand je dis une très grosse map, c'est plus grande que les cartes de Multi Battle et de Mission Radio, c'est vraiment des cartes qui sont très importantes. On est lâché avec des copines sur une base, et tu vois, on est juste attaqué. On a rien, et là c'est des IA. C'est des IA en fait, voilà. Et en fait, une des bases du jeu, c'est que justement, on a autant de joueurs humains que de joueurs contrôlés. Ouais. Contrôlés par l'IA. Alors là, sur le débarquement comme ça, c'est un peu pour voir. Hein. Et là, on a une petite zone. Qui donne accès finalement à pas grand chose. Voilà, on fait pour la même chose, pas grand chose. Dans le fusil d'assaut, on me propose juste une assaut commun, le fusil d'assaut Recon, là j'ai un fusil d'assaut classique. Si j'utilise le champ, c'est finalement le système de taille de la leçon. Tu vois, t'as fait un effet de petit zoom, bon, rien d'exceptionnel. Par contre, si tu vois, je prends ce Recon, voilà, je vais le remplacer. Tu vois, il a la vision a changé, et ouais, là ça t'offre une véritable MM5. Voilà. Ça c'est assez intéressant à noter, mais en sachant que tu peux débloquer des améliorations d'armure, tu peux choper des armes lourdes. Là pour l'instant, je peux juste les changer pour le fusil sur mon éradicateur. Ok. Mais au fur et à mesure, tu vois, j'aurai le fusil à pompe, des mitrailleurs, des ceintures, des lance-roquettes en tout genre. Donc en fait, t'as beau avoir la carte, elle va pas être disponible tout de suite. Non, il faut que t'aies le bon niveau. Il faut que j'ai le bon niveau. Et c'est pour ça que tu vois, c'est vrai que dans les packs, tu peux débloquer notamment des tanks. Les gens disaient, ouais, mais c'est pas utile parce qu'en un temps, tu peux collectionner les cartes de tank. Oui, effectivement, sauf que je devrais attendre que le niveau monte. Et que comment il monte? Ce niveau monte en fonction des fois sur la carte. C'est un niveau perso. Niveau perso, et il y a aussi d'accord, c'est pas un métier qui arrive à faire. Oui. Mais si vous jouez mal, vous n'arriverez jamais à dépasser le niveau 3 ou 4 pour que les outils qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Alors là, on va aller un petit peu par partie. Tu vois, on a un appartement de type de rempart. Et là, tu vois, on a un boss. Il est derrière le commandant Renzo. Non. Mais on a une beauté de gameplay que j'ai présenté dans les premiers gaming live en fait. Hop, voilà. Et donc là, tu vois, on a éliminé le boss. On a gagné, toi, une boss plus de 25 points. D'accord, on est à 69. Ah, 110 à 50. Et c'est le premier arrivé à 1000, c'est ça? C'est le premier arrivé à 1000. Donc du coup, pour gagner des points, il faut buter des ennemis, buter des boss. Ou prendre les zones stratégiques de la map comme le garage. Ouais, là vous êtes dedans, vous verrez tous les deux qui sont dedans pour commencer à trouver quelque chose derrière. Vous avez attaqué, ouais. Ouais, donc là, vous oubliez cette zone. Donc du coup, voilà, c'est des parties à gameplay. Alors, je vais utiliser le système de règlement, je vais utiliser la poche par niveau 3, et je vais passer tout de suite sur un DR, parce que le DR, c'est la vie. Le DR, c'est la vie. C'est une indo-précision en fait, donc tout de suite, je vais remplacer mon Magnum, tu vois, par un BR, et là j'ai mon joli BR, et je peux repartir au combat, toujours en profitant. Oula, oula! Ça tape fort là! Ouais, ça tape fort, tu vois, j'ai déjà mon bouclier qui était un peu fragile, mais tu vois, je peux toujours profiter des nouveautés de gameplay. Ouais, et monter et tout. Oh là là, c'est fort! Très mauvaise idée, ah voilà. J'ai voulu déclencher. Ouais, la super attaque, la super attaque tu l'as montré au solo. Oui, je l'ai montré en solo. Alors, j'ai peut-être pas montré toutes les nouveautés de gameplay de Halo 5, mais forcément en Warzone, vous pouvez toujours utiliser, c'est-à-dire brutal, taché comme ça, sprinté et glissé, s'accrocher sur les rebords pour se glisser, comme ça, voilà, ça permet d'atteindre des zones. Est-ce que les maps sont faites en fonction? Oui, voilà, exactement. On en parlait avec ses clients, mais effectivement l'avantage de ce mode Warzone, c'est de pouvoir créer ton équipe et faire des micro-missions internes différentes selon ce que tu veux. Mais oui, parce que en fait, dans une équipe là, on a du matchmaking de base, c'est pas une chose que valent les gens qui sont avec toi. Mais typiquement dans ma forme de copains, oh
là. Il m'a mis un coup de... Attends, il m'a tué. Ça va être rajouté gratuitement. Il y a une serait pour le mode Arena, donc